À tous, c'est Alex Benito. On se retrouve sur cette carrière avec le Stade Rennais. Ça m'a manqué, ça vous a manqué aussi. On est bel et bien de retour à fond dans cette carrière. J'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos du tout en fait, euh, plutôt pris, plutôt pris ces derniers temps. Mais on est là. On va reprendre cette carrière passionnante dans un moment très crucial puisqu'on est au dernier match de ce groupe A de la Ligue des Champions. Et regardez. Euh, C'est la dernière journée, on va affronter la Juventus Et tout peut se passer dans cette dernière journée En cas de victoire, on serait en huitième de finale de Ligue des Champions C'est quasiment une finale pour nous Attention quand même aussi, si on perd et que le PSV fait quelque chose face au Bayern Qui est déjà qualifié, on pourrait totalement sauter des Coupes d'Europe Donc il peut se passer beaucoup de choses dans ce match face à la Juventus Et derrière on affrontera Saint-Etienne et Reims dans euh, une Ligue 1 qui est plutôt pas mal, non pas pour Saint-Etienne mais plutôt pour Reims qui est cinquième, cinquième dans ce classement de Ligue 1 où nous nous sommes troisième quand même avec sept points de retard sur Lyon. Lyon seule équipe pour l'instant à tenir le Paris Saint-Germain. On a aussi Monaco, Reims, Nice, Marseille, etc., etc. Voilà. Dario Sarmiento, meilleur buteur et meilleure note moyenne. C'est l'homme du moment qui peut peut-être débuter face à la Juve. On va euh, faire un point sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois où même la vidéo avait un peu bugué. Donc c'était vraiment le chat noir. On a battu Strasbourg 1-0 grâce à Aaron Martin. On a éclaté Nîmes 4-1 grâce à Zagadou, doublé de Sarmiento et but de Kamavinga. On a perdu face au Bayern la Ligue des Champions, c'est vraiment compliqué. 1-0 grâce à un but de Lewandowski. On a fait un partout face à Nice. On a battu PSV grâce à un doublé de Sarmiento. On a fait 2-2 face à l'OM. Sarmiento, encore buteur et icône. Face à Monaco, c'est Alario qui s'est illustré. Et face à Montpellier, j'avais fait tourner à 100%. Et c'est Georges Servet qui a été euh, parmi les meilleurs joueurs du match. Euh, Georges Servet, voilà c'est 17 ans c'est le gamin c'est le puceau euh, mais c'est la grosse pépite aussi du centre de formation un but une passe d'ess, donc voilà ça envoie quand même du lourd et c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal pour lui il y a Poa hein, qui a fait un très très gros match aussi et j'avais mis en pointe Nicolas Mercier euh, donc euh, voilà ça a quand même bien 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 tourné et euh, voilà. On va se lancer dans ce match-là. On espère faire mieux que le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Voilà, moi je dis ça comme ça. Hein. Je ne veux pas lancer la polémique non plus. Tous les yeux de l'Europe sont rivés sur nous. Sarmiento, Cherki. On va faire jouer Barréal, Camavinga, Zaracho et Tuzar. Je préfère Rosier en ce moment, je l'avoue. Rosier, Soleil, Zagadou. La, la charnière, là est très. Elle est puissante. Aaron Martin, c'est indéboulonnable. Et évidemment, Miguel Silva qui revient de blessure. Attention. Attention, Miguel. Attention. Pas de conneries. Il va même pas être remplaçant parce qu'il est totalement cramé. On a aussi Maxime Lopez qui revient de blessure. Et Adrien Hunou, 4 à 6 mois. C'est la grosse tuile. La fracture du tibia pour Adrien Hunou. Saison quasiment terminée. Lui qui avait déjà du mal à s'imposer. Ça n'arrange pas ses affaires, tout ça. C'est parti. C'est parti. Sachez aussi qu'on va reprendre les lives dans cette carrière en Serbie avec le Partisan et l'Étoile Rouge de Belgrade. Euh, on reprend euh, demain soir. Si je fais sortir cette vidéo mercredi, jeudi soir, il y a live. Cristiano, Ronaldo, Gabriel Jesus, Paolo, Dibala, Ramsepianic, Emrecan, de Delirte. Romero, Danilo Cesni. on est plutôt à l'aise du côté de la Uv avec une aiguille comme ça, les outsiders, René, les gamins, Sarmiento, Cherky, Barreal, c'est tellement jeune, c'est tellement jeune, on ne peut pas imaginer qu'à 18 ans, 18 ans, et Barreal c'est 20 ou 21, 21 ans, on puisse faire ça, et au milieu de terrain c'est pareil, c'est du très jeune, franchement la moyenne d'âge elle est folle, elle est totalement folle. Il a 19 ans. Zaracho, c'est 23 ans. Je crois que c'est le plus vieux de l'équipe. Euh, non, c'est tout ça. Avec 24 ans. Euh, 24 ans, c'est les plus vieux. Parce que Zagadou, il a 22. Et Omar Solé est vraiment très jeune aussi. Et Rosier, c'est pareil. 25 ans. Autant pour moi. Et 26. Regardez. Mais la moyenne d'âge, elle est folle. Ce c'est pas, pas du Pjanic euh, ou du Cristiano Ronaldo où tu commences, euh, tu commences à vieillir un petit peu. Cela dit, ça reste quand même... Euh, Parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Mais ça serait énorme. Franchement, on est à une victoire. Si on arrive à créer l'exploit là, on passe en huitième de finale de Ligue des Champions. Autant dire que la pression est là. Et on va voir ce que ça va donner. Une équipe quand même très offensive. Le trio Ronaldo-Ressus-Dibala. Il peut être totalement monstrueux. Mais on a Sarmiento qui décale un petit peu avec Rosier. Zaracho. Zaracho qui va rejouer. Rosier qui a du champ. Rosier qui va centrer. C'est récupéré par Barial. Le gauche. Tuzar. Zaracho. perd pas le ballon. Camavinga. Ça joue très bien avec Cherki. Cherki qui perd le ballon. La tuile. La tuile Cherki. Gabriel Ressus. Il va tellement vite. Gabriel Ressus. C'est mon cauchemar dans FM. L'arrêt de Miguel. Gabriel Ressus. C'est le mec qui m'a humilié à chaque fois que j'ai joué contre lui. Et je ne l'ai jamais acheté dans les carrières. Il est tout simplement monstrueux. Dibala. Dibala, ta clé est par Baréal. Le duel argentin. Ça se passe pas si mal pour nous. On n'est pas tellement sous l'emprise de la UV. Et on pourrait peut-être même essayer de se créer quelque chose. Une contre-attaque éclair. Le petit coup de génie et le PSV qui est en train de perdre donc pour l'instant on serait au moins en Europa League mais on entend un petit peu plus on espère attention Ronaldo Ronaldo qui va centrer On se fait bouffer, c'est logique. On va vraiment jouer la contre-attaque là. Le match nul ne suffirait pas. Il Faut vraiment gagner ce match. Allez les mecs. Aaron Martins. On sent. On sent qu'il a la grinta pour essayer quelque chose. Ça va être récupéré par Rosier. Il est tout seul. Il va jouer avec Baréal. Joue derrière. Avec Touzard. On insiste. Le centre de Rosier. Il y a personne. C'est récupéré. Pour Cherki, Ryan Cherki Qui ouvre le score Face à la Juve, sur cette reprise de volée, et boum, elle est exceptionnelle, ça fait un zéro. Le stade exulte. Mais attention, voilà, on va pas s'enflammer, on va pas s'enflammer parce que ça peut brûler au troisième degré, ça serait un peu dommage. Valentin Rosier, le génie. Allez, ah, c'est pas fini. Le mec qui dit on va pas s'enflammer. <laughs> Et qui braille comme un veau. Zaracho, on est en train de faire une grosse phase dominatrice. Avec Cherky. Cherky encore. À la baguette. Allez, on a fait insister. la faut insister. insister. Peut-être un petit deuxième avant la mi-temps. Ça serait exceptionnel. On enfonce le clou à Ron Martin. Aaron Martin qui va centrer pour bientôt et c'est Cherki C'est Cherki qui met le doublé Voilà Voilà mon Cherki. Le doublé grâce à Ron Martin. Hop Et là c'est contre-pied parfait. Sur Chesney, ça fait 2-0 à la mi-temps. Il y a du génie. Il y a du génie dans ce coach. Je suis très content les gars, je suis très très content. Pour l'instant, on est en train d'éliminer, à élimination directe, la Juve. Attention parce que ça peut s'énerver, ça peut s'énerver côté italien. On commence à mettre les mains comme ça. Ça va pas. Oh là là. Les supporters qui sont comme ça. Maquel Ronaldo, t'as pas marqué. On n'est jamais dans les clichés sur, euh, sur la chaîne Alex Benito. Et c'est ça qui est plutôt agréable. Allez Oh là là, mais c'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux. Cher qui pourquoi pas À la recherche du triplé. Aaron Martin. Aaron. Oh Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qui est en train de se passer, les gars. Ce que fait Aaron Martin, là. L'accélération. Hop, le décalage, là, il grand pont. Le centre vers Touzard qui met un coup de tête. Et c'est redétourné par Dario Sarmiento. Ça fait 3-0, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Mais c'est ouf. Il ne peut pas s'écrouler maintenant. Et Real qui défend bien. Quel retour triomphant de cette carrière! Aïe aïe aïe, Et ben là c'est le péno, c'est le péno pour Kikri. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tiré de pénalty Cristiano Ronaldo, évidemment, évidemment. Alors là par contre si Miguel Siva l'arrête, ouais. On est on fire mais quand même, hein. mais quand même, attention, attention, hein. on a déjà vu des retournements de situation dans l'Europe. On sait que ça peut arriver. Et je vais faire rentrer euh, Bourigeau. Et aussi, euh, Jérémy, j'ai pas envie de prendre un rouge, vraiment, ça serait très très bête, et nous, on va passer, évidemment, 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 euh, voilà, on va jouer la petite bite, pas non plus, euh... <laughs> on va euh, jouer en défensif avec un milieu déf. Kamavinga qui va descendre d'un petit cran, parce que euh, on n'a pas envie de se faire éclater, évidemment, oh, mais Aaron Martin, mais c'est tellement facile le football avec lui, c'est tellement FACILE ALVARO BARREAL 4-1 Mais... Pff, que dire Que dire Et on voit Aaron Martin Il a vu... Euh, il a vu la grinta Et là, toute la lucidité des trouvés Barreal Mais là... Là, c'est toute la... La grinta de cette équipe... Qui va éliminer Ronaldo à la maison, à la douche. La UV sera en Europa League. Alors que Rennes continue l'aventure en Ligue des Champions et sera en huitième de finale. Pour faire continuer l'espoir. Et ça revient tôt. Mais ça revient tôt, c'est. Si on a remet un maintenant, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va faire entrer Iconé. Parce que lui aussi, il connaît la Ligue des Champions bon. On, on a le droit, voilà, on peut se le permettre. On peut se le permettre, on gagne 4-1. Elle est pour toi, ça là. Elle est pour toi. Doublé de Cherki, Sarmiento et Barreal qui mettent au tapis la Juve. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Qu'est-ce que tu veux dire de plus On est monstrueux. On est monstrueux. Et on va perdre contre Reims. Ça, on le connaît. On connaît la logique FM aussi. C'est exceptionnel. Qualification du stade rennais pour la suite de la Ligue des Champions. Et Patrick Vira qui se fait euh, sauter de Wolfsburg et Cherki. au-dessus du lot Cherki. voilà exceptionnel et là ça va être très très bon financièrement aussi parce que quand tu arrives en huitième de finale de Ligue des Champions là c'est jackpot tu ramasses euh, tout l'argent des droits TV puisque les huitièmes de finale sont, euh, sont évidemment 19 mois j'ai le temps j'ai le temps parce que là si je demande euh, à négocier son salaire, -là, il, il va me demander 400k donc on va attendre un peu euh. J'ai encore 19 mois pour me décider. Euh, parce que dès l'instant où je vais négocier, il va me euh, pomper tout mon argent. Pas d'amalgame. Saint-Étienne, ça devrait. Euh, ça devrait être plutôt pas mal aussi. Hein, euh, si on joue comme ça. Franchement. Je, pars, je pense qu'on est bien en place. Et évidemment, l'évolution rapide. De Monsieur Cherki. Elle est quand même belle hein, cette carrière. Franchement, euh, je suis très content de l'effectif que j'ai pu, euh, pu mettre en place à la fois euh, franco-sud-américain, parce que vraiment j'ai un peu abusé sur les Argentins, je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue, j'ai fait débarquer 5 Argentins dans l'équipe: Zaracho, Baraya, Lurzi, Sarmiento et Alario. Et après, je suis quand même resté aussi sur, sur le Vivier français avec Iconé, Cherki, <coughs> Maxime Lopez, Touzard, Rosy à la couche, hein, qui font vraiment le taf les deux là. Puis la défense: euh, Zagadou au Marsolé. Euh, je trouve ça, je trouve ça assez monstrueux aussi. Hein. Même si là. Il est en train de perdre de la stat. Qu'est-ce qui se passe, Solé Qui est d'ailleurs suspendu. Donc, on va partir avec, euh, je pense, euh, une équipe un petit peu remaniée. Avec euh, Maxime Lopez qui rentrera en cours de jeu. Je vais faire jouer Urzi. Je vais faire jouer Alario. Ouais, on part sur quelque chose qui va, qui va bien changer. Alario, Urzi, il connaît. Le trio qui change. Cavavinga, Zaracho, Tuzar, ça peut le faire à moins que. Euh, Bourigeau prennent la place de titulaire quand même de la fatigue mais euh, voilà sans plus à la couche va jouer le milieu de terrain et la défense qui ne change pas trop trop non plus attention au piège attention faut, voilà, faut, faut redescendre un petit peu sur terre et on va affronter Pedro Chirivella que j'ai prêté que j'ai prêté. Il nous avait fait quand même une, une belle saison la saison dernière, que j'avais eu gratuit. Avec Wesley Saïd, Borini, Kazri. Sema, Andreas, je vais dire Alvaro, Andreas Pereira, prêté par United. C'est plutôt une belle saison, Andreas Pereira. Avec Thierry Veilla, c'est un bon milieu de terrain. Jallo, Calabresi, ouais, ok. Et évidemment, le mystère dans le cage. Allez. Ça peut être le double tranchant là, ça peut être euh... ça peut être la grosse surprise. Mais je pense évidemment que nous sommes favoris dans ce match. Faut pas avoir peur de le dire. Oh putain. Faut oser le dire. Ouais, je suis favori. Et il faut assumer ce statut-là. Allez, Zaracho. Qui perd le ballon, Zaracho. Avec Borini, Traoré, Chiliveille. Je le sens mal, en fait. On se fait plus dominer que face à Ronaldo Dybala et Gabriel Ressou. C'est pas normal, ça. Ah c'est vraiment n'importe quoi, c'est le syndrome. Le syndrome, t'arrives à arrêter Messi et tu te fais dribbler par Pancrate. On sert à rien. On n'a pas une occasion. Après, bon, j'ai changé tout mon trio, qui a peut-être moins l'habitude de jouer ensemble. On est sur une équipe bis. Une équipe bis qui n'y arrive pas, heureusement, il y a le génie. Aaron Martin avec Urzi. Là, ça, ça joue compliqué. Là, ça joue compliqué. Quoique, c'est pas mal. Urzi qui va avoir l'opportunité de dribbler. Il est un peu seul. Il est un peu seul. Il rejoue avec Kama avec Bourrichon. L'ouverture du score sur la contre-attaque éclair d'Augustin Urzi. Qui a très bien joué le coup d'ailleurs là. Avec Kama. Kamavinga qui décale son pote Benjamin Bourrigeau. Allez, on insiste. C'est le temps fort. C'est le temps fort avec Alacouche. Allez. Urzi Ça fait 2-0. Le match est plié. On a plié le match en moins de 3 minutes. C'est exactement ce dont nous avons besoin une efficacité diabolique. Et Le dégagement de Stéphane Ruffier en direction de Sema mais c'est récupéré par Urzi qui fait du taf. Et pourtant, il y a une concurrence directe avec Ryan Cherki donc c'est pas facile pour lui. Mais gros match. Gros match aussi de Bourigeon. Oh, oh Bourigeau qui pourrait reprendre sa place à Touzard. Touzard n'est pas indiscutable, attention. Tu Avec Traoré, avec Borini. Le but de Fabio Borini, la spéciale enroulée. Qui réduit un petit peu euh, l'écart. Bah, elle est belle, elle est belle. Il hein. n'y a pas vraiment de quoi à râler là-dessus. Allez, j'ai Il va chercher, il dans la profondeur. Il Qui va centrer vers Alario. Ça va être récupéré encore. Urzi Que se passe-t-il L'arbitre n'a pas l'air d'accord. C'est l'avare. Et but refusé pour une position de hors-jeu de Alario. La rentrer Sarmiento. Et Maxime Lopez. Maxime Lopez qui a besoin de se remettre en jambe après sa blessure. Et qui avait fait un excellent début de saison. Et voilà le, le petit Maxou. Le Mino. Maxime Lopez. Maxime Lopez la frappe. Borijo. Avec Iconé. A la couche. Ça joue bien. Ça joue très très bien dans les décalages sur les côtés. C'est exceptionnel. Les latéraux là, ça, ça combine de fou. Que ça soit à la couche ou rosier avec Iconé ou Baréal. Ça part à droite, à gauche, ça, le long de la ligne, ça repique, ça dépique, ça repique. C'est du grand art. C'est le football qu'on veut. Attention. Parce que le match n'est pas terminé. La barre de caserie. Et on va en rester là sur une victoire. 3-1 face à la Saint-Étienne. Et ça c'est beau. Et ça a été une journée très importante puisque le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par un but de Lucas Vasquez à la 91e. Il y a aussi Mesut les gars Gliardini. Ce Marseille-là, attention, même s'ils sont 7e. Ce qui fait que Lyon passe en tête de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Grosse sensation pour l'instant dans cette journée-là. Lyon qui a gagné 2-0 grâce à Casper Dolberg. Et grâce à Icoma Openda. Face à Reims. Reims qui est en train de perdre du terrain. C'est le bon moment pour les affronter. Et mercier. Il marque un triplé avec la réserve. Et le très beau match de Benjamin Bourigeau. Il est bel et bien de retour. Ouais. En tout cas, on est. En plus, on va affronter Lyon derrière. On va affronter Lyon derrière. La petite augmentation de salaire, bah, c'est vrai qu'il gagne rien. Il gagne vraiment rien. Il a 23K par mois. Ça fait vraiment le taf. Oh, c'est le tirage. C'est le tirage de la Ligue des Champions. Les têtes de série face aux pas têtes de série. On peut se taper l'Ajax, hein, l'Ajax ou Porto, ça peut passer. Mais par contre, après, c'est le Bayern, c'est Liverpool, c'est City. Ça peut être Paris, hein, ça serait... Oh Mais non, mais d'où Il y a Toulouse, un hein, huitième de finale de Ligue des Champions. Mais what the fuck c'est quoi ça <laughs> Mais non. Putain, quand tu vois ce qu'il donne en vrai, mec, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. C'est moi, Bon, moi j'ai fait sauter la UV, donc déjà, déjà c'est vrai. Bon, après voilà. Salzburg qui saute ici. Ouais, après il n'y a pas de gros... Ah si, le Barça qui passe pas dans ce groupe-là, les clubs français sont monstrueux. Les clubs français sont monstrueux dans cette Ligue des Champions. C'est fou. C'est fou, c'est fou. On a Toulouse, on a Paris, on a Lyon et Rennes. On est quatre clubs français. Toulouse. Oh, oh D'accord. Toulouse United et Rennes City, Lyon, Porto, Dortmund, Paris, Saint-Germain. Voilà, c'est pas truqué. Real bilan, Arsenal-Bayern, Naples-Liverpool et Bayer-Ajax, ça va être chaud d'affronter City les gars, ça va être très très chaud, mais voilà, si seulement il pouvait être exclu, exclu de cette Ligue des Champions, ah ça va être beau, ça va être beau, mais voilà, je pense que ça sera notre, notre salut, On n'ira pas plus loin que des huitièmes qui sont déjà exceptionnels hein, de pouvoir affronter City euh, dès la saison 3, en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors après, je suis conscient hein, d'être à la tête d'une équipe de gamins, des gamins qui, euh, qui rêvent d'affronter City, mais qui vont sûrement, euh, qui vont sûrement déchanter. Allez Bon, je vais rester sur Rosier hein, qui, qui est vraiment fou. Euh, là, on sort la grosse équipe. On sort la grosse équipe. Je qu'il y a Lyon derrière. Il y a Lyon derrière, mais on peut gérer, gérer l'enchaînement des matchs. Peut-être pas Aaron Martin hein, qui va commencer. Euh, C'est vrai qu'il faudra qu'il la... ne fasse pas le match en entier. Mais les autres, euh, les autres, on a bien géré leur état de forme face à saint étienne et on va affronter Chuk yong dun Kutessa, Oscar, Oudin, Chavelrin, Mathieu Cafaro, Nathaniel Klein à la limite mais tu te demandes pourquoi ils sont si hauts dans le classement. Allez, c'est parti. On a l'équipe qu'il faut. Et c'est là, c'est là que là, ça va être le coup de karma là. Plus tu sous-estimes l'adversaire, et plus tu as de chances de prendre le coup de bambou. Allez les gars, allez les gars, voilà, c'est récupéré, Baréal. Il ne faut pas jouer avec de la facilité, il faut être concentré à tous les matchs. Cherky. Aracho, c'est pas mal. C'est pas mal ça, le dédoublement d'Aaron Martin, mais lui, Aaron Martin, il me fait vraiment rêver. On n'était pas loin de l'ouverture du score. Aaron Martin, les gars. Aaron Martin. Mais vas-y, Solé J'ai cru qu'il n'allait pas y aller. Emiguel qui prend le temps avec Zagadou, avec Aaron. Cherki. il est un peu bas, Cherki. Il faut monter, il faut monter, il faut monter. Kamavinga, ouais, c'est Aaron Martin qui prend encore le couloir et hein, qui va rentrer de la surface. Aaron Martin qui va centrer ce grand poteau vers Bayer et la reprise Lucas Touzard qui répond du Taco Tac à Benjamin Bourigeau. C'est son premier but de la saison. Premier but sous le maillot du stade rennais Lucas Touzard. Et c'est bien couvert. Zagadou, Aaron Martin encore. Oh là 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 là. là. Mais c'est quoi ce joueur C'est quoi ce joueur le... Là, il doit se faire des picous avant chaque match. Et Cherki qui va chercher Rosier. Avec Touzard encore, avec Baréal. Mais c'est facile. C'est tellement facile pour cette équipe. Alvaro Baréal qui met le 2-0 en 10 minutes. La Cherki, il peut frapper, mais non, il va chercher. Il va chercher ici, ça joue en passe. Touzard qui peut frapper aussi, la donne à Baréal. qui est évidemment sur son pied gauche. On va suivre euh, voilà, les, les leaders en opposé à Lyon qui mène, mais Paris qui mène aussi. Oh Le but d'Adama Soumaoro. C'est quoi ça Il a craqué la cage. Faut pas faire un 180 avec lui. Moi je vous le dis. Qui finit avec une fracture du coccyx. Attention, Barrial, il est gourmand. Mais Zaracho vient prêter même fort. Zaracho qui est bloqué. C'est le cri bloc. Margislain Conan. Et Non. Donc, coup Franc. Franc, Sherky bien placé. Sherky qui va la chercher second poteau. Et on a fait faute. Attention, hein, c'est pas gagné d'avance non plus. Hein. Faut, pas, faut pas laisser reposer ses couilles. Pour rester poli. Allez, c'est la mi-temps. On va quand même mettre. Euh, faut pas croire que c'est dans la poche. Faut pas croire que c'est dans la poche, et eh ouais. La poche est percée. Bien joué, ça. Bouzard, ouais, qui va pouvoir jouer avec Sarmiento le tellier qui était pas stable sur ses appuis, c'est sûrement la pluie. Les pieds dans la flaque d'eau. Et l'entrée de l'ancien joueur. Le fait tout. Fait tout ma voix de ça. On va faire entrer Kevin Rodriguez hein, face à Aaron Martin. Je veux un standing ovation. Vous aussi. Vous aussi derrière euh, votre écran derrière la vidéo. Tout le monde se lève pour Aaron Martin, s'il vous plaît. On va quand même pas trop, trop faire les cons non plus. Hein. Allez, resserrer un peu, resserrer. On va faire rentrer du sang frais avec Urzi. Urzi qui a quand même fait très très mal à saint étienne Et ça un petit peu fatigué, les Rémois. Ça va passer. Ça va passer. Victoire 2-1. Non, pas sans peine. Et Lyon, qui s'est également imposé, qui va conserver le statut de leader de cette Ligue 1. Et le beau match de Touzard. Oh ben c'est pas mal, il reste quoi Ah, mais il reste que lui, ben on va le faire. Ça va faire une vidéo un peu plus longue. Je voulais pas le faire, mais on va le faire quand même, puisqu'après, derrière, c'est direct la trêve. C'est le dernier match de ce mois de décembre de l'année 2021. Donc on va le faire, ce match face à Lyon. En plus, c'est les leaders, donc on peut les faire tomber. D'un côté, euh, je pas trop envie de les faire tomber non plus, mais on n'a pas le choix. Ça peut donner une option pour le Paris Saint-Germain. Après, ça va être une grosse confrontation aussi euh, historique. Puisque j'ai quand même beaucoup pioché dans leur équipe. Je pense à Touzard. Je pense évidemment à Cherky. On a aussi euh, Solé. Solé, j'ai hein, C'est pas mal, ça. On va insister avec Rosier. Rosier Aaron Martin évidemment. Et j'ai pas Barrial aussi. Si, si j'ai Barrial. J'ai Barrial, j'ai Sarmiento. Sarmiento c'est très fort, hein. très très fort. Il connaît aussi en hein. vrai. Connaît aussi mais là cette équipe là, euh, cette équipe là, pff, le milieu ça fait tellement le taf. Avec Mathias Saraccio, Kamavinga, même s'il ne m'appartient plus officiellement. Et même euh, même Tuzar, hein, le gros mental, qui peut aussi faire la différence dans les grands matchs. c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. On va partir là-dessus face à Lyon. On commence à être plutôt rodés. Casper Dolberg, Rena Adelaide, Oliver Torres, Traoré, Thiago Mendes, Reguillon, Katic, Zinio van der Den, Thomas Meunier et Lopez. C'est pas mal. Elle a de la gueule, cette équipe, même si je préfère la mienne, évidemment. Camavinga qui débute le match à 85, ça j'avais pas fait gaffe. On a quand même un petit peu de fatigue. Attention au corner d'Oliver Torres. Paris qui mène déjà 0 la blessure de Baréal. Blessure au bras. Ça sent la fracture, ça. L'entrée d'Iconé. On fait des fautes côté Lyonnais, on fait des fautes Rosier qui passe. Et eh ouais, ouais Réguillon et eh ouais Réguillon et eh ouais Réguillon c'est le rouge. Sergio Réguillon qui prend le rouge. Il faut pas prendre le but maintenant, hein. on est en supériorité numérique les gars. Il faut les faire, euh, il faut les faire cramer là. Katich qui sont obligés de, de reculer, ça recule, ça recule, et le pressing de Sarmiento. Il va forcément manquer un joueur. Je crois que c'est là, hein. ils ont laissé un trou sur le côté gauche, enfin, sur leur côté droit, oh, mais sur mon côté gauche. Oh, attendez les gars là, oh Ils font que des fautes, ils font que des fautes. Ah, c'est le jeu Rudy ça. La Rudy Garcia. Ah, ils ont laissé un trou volontairement ici. Hein. Triplé de Verdier avec Marseille. Bon. 0-0 à la mi-temps. Mais alors là. Là les gars. Du coup, bah, forcément, on va concentrer le jeu sur l'aile. Hein, sur l'aile gauche. On va faire pencher notre jeu et insister. Tant que Lyon n'aura pas euh, n'aura pas euh, trouvé une solution là, après le mieux c'est d'écarter avec Oliver. Il préfère prendre ce pari là. Rosier. Oh là là la tête claquée déconnée. Lyon qui peut. Oh là, il y a 7-0 pour Paris. Lyon qui peut aussi nous tenir, attention. Ils sont capables. Ils sont capables de, de tenir le 0-0 avec un jeu totalement dégueulasse. Ou alors de nous mettre le coup de poignard, même si là, ça joue très mal. La précision des passes est assez approximative côté, euh, côté lyonnais. Thiago Mendes. Oh bien joué, Kamavinga, il faut la donner. Voilà, Sarmiento qui est tout seul en face à face, et il a loupé. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, Tousard qui sort, on va jouer à deux pointes, On prend le pari. Kamavinga qui va laisser sa place à Bourigeau aussi. 4-2-4. Avec Cherky, Sarmiento, Alario, il connaît. Bourigeau, Zaracho, mieux. tenir la baraque. Je pense pas que ça va être suffisant là. Lyon. Lyon qui a dû euh, descendre tout le bloc pour, euh, ben pour tenir euh, ça. Hein. De toute façon, ils sont pas capables de faire mieux pour l'instant. Il connaît, il faut décaler. Il connaît qui essaie de passer quand même. Rosier qui va récupérer. Rosier aussi, est embêté. Ça avec Cherki. L'ouverture du score de l'ancien de la maison. Ryan Cherki. Cela passe des. De Dario Sarmiento. Là, je vois très très mal les Lyonnais revenir dans ce match. Surtout que Alario va pouvoir claquer. Dommage. Gros match, Anthony Lopez. Mais l'essentiel sera fait. Paris reprendra la tête de la Ligue 1. Et nous avons fait tomber le leader. Oh là 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 là. On est vraiment on fire dans cette vidéo. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère que le plaisir est aussi partagé avec vous le but de Jonathan Nicone J'espère vraiment que ce plaisir est partagé et que vous vous serez régalé devant cette vidéo. Et que les commentaires euh, seront, iront dans ce sens-là. 2-0, voilà, c'est ça qu'on veut. Je suis très content de votre prestation. On va arriver sur un mercato hivernal. Où en vrai, je n'ai pas forcément besoin euh, de me renforcer. J'ai de l'argent. Donc on peut peut-être acheter euh, de la petite pépite. Pour renforcer l'équipe réserve. Ah oui par contre là. 5 à 7 semaines. Rupture des ligaments du poignet. Je ne sais pas comment il s'est fait ça. Mais ça fait très mal. On risque de voir y un petit moment. Sur le côté droit. Et Cherki qui continue. Continue. Qui a fait une grosse semaine. Et 8-0 pour Paris. Après, on va voir, j'ai sûrement des petits rapports en attente. Et des, des coûts à faire, des coûts pas trop chers. Sur des gamins. Ou sur des joueurs qui ont été mis en vente. Mais ça, on verra. On verra un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire pour soutenir et encourager la suite de ce projet avec le Sadrené. Plus il y a de commentaires, plus ça me donne envie aussi de continuer et de vous faire un maximum d'épisodes. Je vous dis à très bientôt, notamment en live sur la chaîne Twitch. Ne l'oubliez pas. Salut à tous.